darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Bonjour à tous, bienvenue sur la pire online de la ligue, podcast numéro 93. Moi c'est Plax, je ne te demande pas comment ça va Thiergo. Nous sommes évidemment 6 pieds sous terre, vas-y, je te laisse. On arrive à un stade, on sait même plus quoi dire pour lancer les podcasts. Bah, en fait, j'allais dire, en fait, à part les Giants, ça va quand même plutôt bien. Oui, bah, mais... moi aussi, mais bon, du coup ça va moyen quoi, au final. C'est vrai. On en est à un stade où, en fait, est-ce que ça sert à quelque chose d'analyser le match en lui-même ? Pas trop, je pense. Donc, défaite 24-3, on enregistre ce podcast, il est midi, c'était cette nuit. Des Giants méconnaissables, et c'est principalement de ça que j'ai envie de parler. Moi, c'est qu'est-ce qu'il a pu se passer entre l'année dernière et maintenant ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on en est là ? On avait plus de 10 jours pour se préparer, on arrive avec... c'est absolument catastrophique, donc on va essayer de parler de ça un peu. Merci quand même, rappel à tous ceux qui nous soutiennent sur le Patreon, patreon.com/onlyagentpodcast. On vous le dit à chaque fois, ça nous permet de faire vivre ce podcast, de l'hébergement également pour le blog, donc merci à tous. Merci également à ceux qui ont participé à la commande groupée de t-shirts. J'ai pu faire la commande, j'attends de les recevoir et je vous les enverrai un par un. Vous avez été nombreux à participer et ça c'est très cool. Donc revenons à des choses moins marrantes. On perd 24-3 sur un match qui est, très honnêtement, c'est jouable, on peut carrément le gagner. Le tournant du match se fait à 14-3, où on est au bord de la end zone à 3-4 yards, et Jones lance une passe, mais ridicule, je mal comprends calibré. Pas. Pourquoi ouais. Il lance cette passe-là alors que... Enfin, je sais pas. C'est très étonnant de le voir faire encore ce genre d'erreur à ce moment-là. Rappelle-toi, je me souviens que c'était le problème qu'on avait, c'est qu'il nous faisait des interceptions à chaque fois en end zone, et c'est arrivé plein de fois. L'année dernière, plus du tout, ça n'arrivait plus du tout. Et là, de nouveau... Non, mais il avait la bonne lecture, c'était bien sur Paris Campbell qu'il fallait l'envoyer, mais la passe était mal calibrée. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, il faut pas lui envoyer dessus. Elle est derrière lui, donc forcément, il se fait... Enfin, je veux dire... Moi, quand je regardais le match, je me disais, Paris Campbell, encore une fois, il faut rien. Et, je veux dire, si tu l'envoies pas à Paris Campbell, à qui tu l'envoies ? Tu as Darren Waller derrière, qui c'est une passe lobée. Attends, je t'explique ce qui se passe sur le jeu. Il est aussi utile que Paris Campbell, justement. Parce qu'on lui envoie pas la balle aussi en même temps. Le plan de jeu devrait tourner autour de lui, c'est ça le problème. Il n'est jamais découvert. Calme-toi. Ça y est, c'est... Oh putain, je suis chaud là, c'est bon, hein. Non, en gros sur ce jeu, il y a un tracé. Paris Campbell est à l'intérieur. Non, Paris Campbell est au milieu. Il y a je sais pas qui à l'extérieur. Et il y a Darren Waller qui est à l'intérieur. Paris Campbell fait un tracé court pour justement laisser Darren Waller dans son dos pour attirer le corner. Witherspoon, c'est exactement ce qu'il fait. Alors je dis pas qu'il est complètement seul, mais si la passe est bien lancée, il peut carrément mettre un TD. C'est pas ce qui se passe. La passe est lancée sur le tracé court sur Paris Campbell qui est intercepté. Et donc Pixie. Et donc en fait là où je voulais en venir, c'est que à 14-3, on revient à 14-10, c'est pas du tout la même chose que se retrouver à 21-3, évidemment, forcément. Donc le match est terminé à ce moment-là. Mais en tout cas, ce que je voulais dire de base, c'est que le match était clairement jouable. Ils nous ont pas mis 40 points. On prend 24 points, mais donc il y en a 6 pour la défense. Il y a eu ce fumble de Jones aussi, où ils nous mettent en première mi-temps, où ils nous mettent un TD juste derrière. Donc... Pour le coup, on peut pas mettre la faute 100% sur la défense. Pour moi, c'est l'attaque le problème. Et je te dirai après le fond de ma pensée sur quel est le problème de cette équipe par rapport à l'année dernière. Je sais même pas comment organiser ce podcast. Je sais pas par quoi j'ai envie de commencer. Ce que je vais te poser comme question, c'est qu'est-ce que toi tu vois comme régression globale par rapport à l'an dernier. Qu'est-ce que tu trouverais comme explication là? Avant justement de voir un peu plus global, juste arrêtons-nous
deux, trois petites minutes sur ce match, moi, pour te donner mon sentiment sur ce match, c'est que, sans vouloir trop manquer de respect à nos amis des Seahawks, cette victoire, on leur a vraiment offerte sur un plateau. Oui, il y a 14 points qu'on leur donne. Il y a 14 points qu'on leur donne. Tu rajoutes à ça le TD avant la mi-temps où, en fait, on leur a donné une course de 51 yards parce que on a Okereke qui ne s'est pas plaqué et on a des DB qui foncent dans les chevilles d'un tight end qui, en fait, a juste à faire un petit saut et puis c'est bon. Tu vois, si Isaiah Hodgins ne l'avait pas plaqué, c'était TD direct. Parce que je veux dire, c'est que Isaiah Hodgins. Les Seahawks... n'importe quoi, excuse-moi. Isaiah Simmons. Ouais, d'accord. Et en fait, les Seahawks aussi faisaient énormément d'erreurs. Il y avait pas mal de pénalités, etc. Donc, mm-hmm. ils nous maintenaient aussi dans le match. Mm-hmm. Mais comme tu dis, c'est pas la défense qui a lâché. On a eu une défense qui a été quand même pas trop mauvaise. On a un Kayvon Thibodeau qui nous fait... je me demande si c'est pas son premier match avec plus d'un sac. Je sais pas. En même temps, c'est une online remplaçante hein, pour les Seahawks aussi. Mais bon, c'est ouais, toujours non, sympa de faire deux sacs. On prend. Voilà, on va prendre le positif là où il est. Hein. Ouais. Moi, il y a deux choses positives que j'ai vues sur ce match. C'est Kayvon Thibodeau et Wandale Robinson. Wallen Robinson oui. qui a eu une utilisation intéressante ouais. Pendant le match. Ouais. Après, tout le reste... enfin, on loupe tellement de packages... Et quand j'ai vu Julian Love apparaître à l'écran, je me suis rappelé que bah, c'était Julian Love qui avait genre 120 plaquages chez nous l'année dernière. Et là, je me suis dit, franchement, j'aurais préféré qu'on paye un Julian Love plutôt qu'on paye un... alors, je ne vais pas dire plutôt qu'on paye un Okereke, parce qu'Okereke, il y avait quand même des raisons valides de le signer. C'est jusque-là, et en fait, il a décidé de ne plus jouer comme à son niveau d'avant. Mais par exemple, Paris Campbell, j'aurais préféré limite qu'on se passe d'un Paris Campbell et qu'on garde un Julian Love. Ouais, on mais c'est ce cap space. On en avait déjà parlé. C'est l'agent qui s'est chié. Et qui, il est moins payé là chez les Seahawks que ce qu'il était payé chez nous. Et lui aurait préféré rester aussi. Bref, peu importe. C'est pas le sujet. Mais voilà. Après, tu vois, si on doit justement dézoomer un peu pour parler. Ouais, moi c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que les gens demandent sur Twitter. C'est comment on en est arrivé là, quoi. On fait une saison correcte où on va en playoff, on gagne un match de playoff, on améliore notre effectif, on se dit ça va bien se passer. Et mec, mais on est la pire équipe de la ligue, on a le niveau le plus nul que j'ai vu chez nous. Mais même les dernières années, c'était pas aussi nul que ce qu'on est en train de faire actuellement. Il y a deux choses pour moi. Vas-y. La première, c'est déjà une ligne offensive qui est décimée. On n'a pas Evan Neal, on a perdu Jamal Cohn-Smith pendant si, on a Evan Neal, le match. On a Evan Neal. Non, pardon, excuse-moi. Non, on n'a pas Andrew Thomas, ouais. Autant pour moi. On a perdu Jamal Cohn-Smith pendant le match. Ouais. Et bah, t'es en train de défendre avec justement un Evan Neal qui est incapable de tenir tête à n'importe qui, y compris ta grand-mère. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de référence à elle. Ouais, 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 ma grand-mère est pas assez Evan Neal tranquille, je le sais, hein, c'est sûr, aucun doute. Et donc, en plus, tu vois, les blessures, Bredesen et compagnie, donc tout ça, ça n'aide pas. Donc, ce qui fait que Daniel Jones. Tu vois, son fumble, oui, il perd le ballon, mais il se prend de la pression tout de suite sur la gueule et il a un free rush du numéro 10 directement. Enfin, c'est juste hallucinant. Alors, il se fait rentrer dedans aussi par Lemieux qui essaie de rattraper le coup. Enfin, c'est catastrophique, ce play, de toute manière. Mais la faute n'est pas entièrement que sur Jones. C'est-à-dire que quand il aurait dû se rendre compte que la poche se désintégrait trop rapidement et se mettre en sécurité, ça il ne l'a pas fait, ça c'est de sa faute. Par contre, la poche aurait dû tenir un minimum. Ouais. Donc ça c'est le premier problème. Ouais, et le deuxième problème, c'est l'absence de Saquon Barkley. Et ils l'ont montré en début de match, ce que donnent les Giants depuis 2018 sans Saquon Barkley et offensivement, mm-hmm. et ce que ça donne. Je crois que en fait c'est genre 240 yards offensifs par match sans Saquon Barkley, c'est 333 quand il est sur le terrain. Mm-hmm. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Sur la O-line, donc oui, alors, Jones a été problématique sur les deux interceptions, machin. Donc, pour moi, le souci qui est la cause de presque tout, et voire peut-être tout est focalisé sur cette O-line qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Alors, oui, c'était des remplaçants. C'est pas une excuse, hein. T'es censé avoir des remplaçants qui peuvent jouer. Regarde, les Seahawks avaient beaucoup de remplaçants sur leur O-line. Ils ont pris que deux sacs et ils nous battent 24-3. Donc, il y a quand même moyen de faire quelque chose, même si t'as des O-line remplaçants, normalement. Donc, je sais pas pourquoi cette O-line est devenue aussi mauvaise. Elle était déjà pas très forte l'année dernière, mais c'était pas aussi catastrophique.
Oui, il y a les blessures. Oui, John Michael Schmidt. En gros, pour l'instant, la seule sécurité, enfin la seule, j'allais dire sûreté. Putain, c'est pas ça. C'est quoi le mot en français? La seule. Je sais pas ce que tu veux dire. Bah, le fait qu'on soit sûr que le seul gars qui est. La seule garantie. La seule. Oui, voilà. Putain, la vache, je galère, mec. C'est terrible. La seule garantie que l'on a, c'est Andrew Thomas, qui malheureusement est blessé. Donc ça, déjà, forcément, c'est un énorme point négatif parce que bah. Voilà, ils font ce qu'ils peuvent pour remplacer, mais c'est compliqué. John Michael Schmitz, on voit qu'il assurait quand même. J'ai vu des actions de lui qui étaient tellement matures où il bloque un mec, il voit qu'il y a un stunt, il va l'annoncer, il pousse son garde droit pour lui dire « va prendre parce que là, ça va bouger, machin ». Enfin, c'est un vrai patron de cette O-line et ça limitait la casse jusque-là. T'enlèves ces deux-là, mec, il n'y a plus rien. Rien du tout. Ouais. C'est le néant absolu. Sauf ouais. que tu en arrives ouais. à un stade où tu es à 1... 3. Est-ce que tu vas te dire, ah putain, c'est con, il nous manque que ça pour être fort, on va aller trade pour un autre line. En fait, t'es à un stade où c'est compliqué, quoi. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette O-line, elle est catastrophique. Et pour moi, elle est la cause de tout, puisque t'as une O-line qui n'arrive pas à tenir, qui te. 11 sacs, mec, c'est quand même énorme. Alors, vers la fin du match, je crois qu'on avait un peu abandonné, donc il y a quelques sacs, peut-être qu'on y compte plus trop, mais voilà. Le QB, il doit courir pour sa vie à chaque jeu. Donc à un moment donné, je veux dire, il peut pas à chaque fois qu'il a la pression se dire je me mets en boule et j'attends que ça passe parce que sinon il fait jamais rien. Donc il faut qu'il tente des trucs à un moment. Donc il va forcer des passes, donc il va courir, donc il va faire des fumbles et des interceptions, ça va arriver. Derrière, on perd la balle trop vite. On n'arrive pas à courir, on n'arrive pas à faire des drives longs, même si l'on a réussi via des jeux de passes courtes parce que c'est la seule chose qu'on peut faire actuellement, c'est faire des passes courtes. On arrive à faire des drives qui tenaient à peu près. On avait quand même eu quelques drives notamment en première mi-temps qui étaient assez corrects. Mais on finit par craquer et donc on rend la balle à la défense. Et donc la défense finit par craquer parce qu'ils sont toujours sur le terrain. Donc en fait, tu te retrouves avec un cercle vicieux qui fait que si ta O-line ne tient pas, tu as tout qui s'écroule. C'est un château de cartes qui s'écroule complètement parce que ta O-line ne fait pas son boulot et donc il n'y a plus rien qui peut fonctionner. Ton attaque, elle est complètement déséquilibrée, tu peux rien faire. On avait combien de fois on a dit ah c'est cool, on va pouvoir faire du jeu long, on a des mecs qui sont rapides. Jalen Hyatt, on le fait même pas jouer parce que ça sert à rien, on sait qu'il va pas pouvoir aller faire les tracés longs puisque de toute façon en 1 seconde 5. Et Jones, il a 4 mecs sur le dos. Et quand je dis 4, j'exagère à peine. Hein. J'ai une seconde 5, c'est quand la O-line tient bien. Et c'est arrivé parce que... une mi-temps depuis le début de la saison. Ouais. Mais non, en fait, c'était ironique ce que je disais, c'est quand la O-line tient bien. Ah, quand la O-line tient bien, 5, ils sont 5 sur 2 sur son dos. Ouais, c'est ça. C'est long. Alors que normalement, une O-line qui tient bien, le quarterback, il devrait avoir entre 2 et 3 secondes. Oui. Même plutôt proche de 3 secondes. Attends, j'ai partagé une vidéo, mec. Ils font pas de rush. Hein. Il y a 4 D-line versus 5 O-line. Il y a 3 D-line qui arrivent à passer. En une seconde, ils sont sur Jones. Mais oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et alors, tu disais, on est à 1-3. Ce qui est assez dingue, c'est que 1-3, la saison n'est pas finie. C'est loin d'être fini. Mais le fait est qu'on a présenté un niveau de jeu tellement pitoyable, alors je ne sais plus quelle est la stat, mais si on fait le calcul, 40 plus 30 plus 24, ça nous fait donc du 94 points. On s'est pris 94 points pour 15 marqués en prime time. C'est juste hallucinant. Et donc en fait, c'est plutôt cette stat-là qui me fait peur. Parce on est en train de faire des records là, on est en train de taper des records. Oui, mais en fait, c'est ça ce qui est dingue, c'est que tu fais 1-3 et en fait, tu perds les matchs à chaque fois à 3 ou 7 points. Tu dis, bon, on n'est pas trop loin, on peut y arriver. Tu fais 1-3 où tu te fais éclater à chaque fois. Bah, et tu m'étonnes qu'il y ait des fans qui lâchent l'affaire. Et tu regardes la suite de notre programme, on doit affronter les Dolphins. Alors les Dolphins, ils sont, on a vu que contre une vraie équipe, mais on n'est pas une vraie équipe. Ouais, c'est ça le problème. Je veux dire, voilà, on a vu que contre les Bills, ils s'écroulaient complètement, mais les Dolphins, ils vont nous faire la même chose que ce qu'ils ont fait aux Denver Broncos. Voilà, là on va rencontrer quand même les Dolphins qui ont mis 70 points il y a 2 semaines, et les Bills qui viennent de mettre, je sais plus, 48 points aux Dolphins. Donc ouais. Et les Commanders qui ont failli faire flancher ouais, les Eagles. T'as vu le match des Commanders contre les Eagles? Ouais, j'ai vu ça. J'étais un peu déçu du résultat. Impressionnant. Ouais, c'était. Oui, alors moi aussi, j'étais extrêmement déçu du résultat parce qu'il l'a mérité franchement, cette victoire. Surtout qu'il y a eu des calls assez limites. Bon, ok, des deux côtés, mais. Là... Mais là, tu vois, tel qu'on est parti, on est dernier de la division. Ah bah, c'est sûr. Ah bah, aucun. Mec, je vois pas comment ça peut être autrement. En fait, si on n'est pas capable de trouver une solution, alors est-ce qu'il faut virer le coach de la O-line? Est-ce qu'il faut. Une des solutions déjà, ce serait
Et la question se pose maintenant de manière légitime. Autant il y a 4 matchs, c'était un peu trop tôt. Autant là, je crois qu'on commence à avoir des certitudes. Evan Neal, je dis pas que c'est un bust total en NFL, en tout cas sur le poste de tackle. Bon, ça n'a pas l'air d'être fait pour lui. On se souvient de la comment on avait galéré avec Ereck Flowers, qu'on avait fait jouer un nombre infini de snaps en tackle où ça n'avait jamais rien donné. On l'avait laissé partir et finalement il avait été Un garde correct chez OK, les voilà, chez Commanders. les Commanders au poste de garde. J'espère que. En fait, à un moment donné, si tu peux pas continuer comme ça à l'infini. Je veux dire, c'est normal que pendant quelques matchs, tu te dis, allez, on peut pas tout de suite squeezer, changer tout d'un coup. Mais à un moment donné, il va falloir faire des adaptations. Est-ce qu'on mettrait pas Neal en garde droit, parce que de toute façon, on galère, ou en garde gauche, peu importe, j'en sais rien. Tu mets Neal et Andrew Thomas à gauche, peut-être, et tu gardes McKettan à droite, qui a montré des choses intéressantes. Après, qu'est-ce que tu mets en tackle droit? J'en sais rien. Et Zoudou? Ezoudou qui a quand même eu des galères sur ce match, qui a été à peu près correct les matchs d'avant, peut-être. Mais en tout cas, il va falloir trouver quelque chose parce que là, c'est juste plus possible. Si John Michael Schmitz en plus est blessé pour plusieurs matchs, j'espère que ce sera pas grave et qu'il va pouvoir revenir vite. Mais On sait ce qu'il a comme blessure d'ailleurs. il disait l'épaule, je crois. Pourtant, il avait l'air que sur la vidéo que j'ai vue, il avait l'air d'avoir un truc à la cheville. Donc, mec, je sais pas, je sais pas. Et sachant qu'il y a eu aussi, il est sorti pour le match aussi, Daniel Bellinger aussi, qui lui peut venir aider beaucoup sur le bloc, et là ça n'a pas été le cas. Enfin, en tout cas, pour en revenir à ce que je disais, pour moi, tout nos. Enfin, c'est dur de leur mettre tout sur le dos, mais ça commence de là. Tout vient de cette Ah O-line, ben oui. qui derrière, que voilà, c'est les dominos, et derrière, il n'y a plus rien qui tient. Et le plan de jeu, je pense que. Et c'était déjà le cas sur les 4 dernières saisons, avant Dabble aussi. Le plan de jeu ne peut pas se faire comme on veut à cause de cette O-line. Tu peux pas faire ce qu'on a envie. Et la seule mi-temps où on a vu qu'on arrivait à faire des passes de plus de 15 yards, qui est là, je crois qu'il y a eu 2 passes de plus de 10 yards sur ce match-là, mec, c'est n'importe quoi. Je veux dire, quelle équipe NFL Oui. peut se permettre de faire ça? C'est un truc de ouf. T'es obligé de faire que Et des passes encore, c'était courtes. des passes courtes. C'était censé être des passes courtes. Enfin, je pense qu'il y a la passe de Breida qui est une wheel out. Oui, mais qui vient de nulle part, celle-là, qui est un peu une improvisation. Ouais, exactement. Et puis il y a eu quoi d'autre comme grande passe? Je me rappelle plus. Enfin, Enfin, grande passe, mec, c'est 10 yards, longue quoi. passe. Non, mais. Oui, non mais oui, c'est Et assez regarde curieux de se la dire fois, la que seule seul mi-temps, oui, en 4 mais matchs. on les attendait les bombes de plus de 20 yards. On s'était dit Hayat, Darren Waller. Enfin, je veux dire, tu vois, ce que ça montre bien, ces 4 matchs, et on l'avait quand même dit avant la saison, on s'est dit, bon, sur le papier, ça a de la gueule, mais faut que ça se confirme sur le terrain. Et ben là, on est en train de voir le gouffre qu'il y a entre la théorie et la réalité. Et on avait Ça aussi fait très dit, mal. ça va dépendre de la O-line, il faut que la O-line tienne, mais a priori, il n'y a pas de Ouais. raison, c'est amélioré, on a un nouveau centre, normalement ça devrait tenir par rapport à l'an dernier. Mec, cette O-line, elle est catastrophique, elle est bien moins forte que l'an dernier pour l'instant. Eh C'est ben, hallucinant. je pense qu'en fait, on n'avait pas anticipé un si gros déclin de la part de Glowinski. Ouais, d'accord avec toi, ouais. La blessure d'Andrew Thomas, c'est pas de chance. Ouais. Ah bah c'est C'est clair pas que de si tu mets chance. Andrew Thomas qui se blesse pas et Glowinski qui est au niveau de l'an dernier, oui c'est plus du tout pareil, c'est plus du tout pareil, Non, ça c'est c'est plus du sûr. tout pareil. Mais tu vois, en fait, avant la saison, il y avait des journalistes qui demandaient à Joe Shane, bah, est-ce que vous pensez que vous avez réduit l'écart avec les top teams, hein? Il parlait de close the gap. Ouais. Et tu vois Joe Shane qui dit, ah, bah, on va voir. Alors, bien entendu, je pense pas qu'il se disait, oh là là, on va être pourri, je préfère pas m'engager. Je pense qu'il était tout simplement prudent, mais il a bien fait d'être prudent et de pas dire, oh non, non, en fait, on s'est clairement amélioré partout, ça va tout défoncer. Là, il a plus de crédibilité pour dire. Oui, on a eu une première saison exceptionnelle. Cette deuxième saison, c'est pas ce à quoi, ce dont, ce qu'on espérait, avec les blessures à des postes clés. Et on est aussi en train de voir justement toute la valeur d'un gars comme Saquon Barkley, parce que clairement, quand il n'est pas sur le terrain, il se passe rien Ouais, offensivement. alors après, regarde, quand il était là, on n'a pas gagné des milliers de yards à la course non plus, hein, on n'y arrivait pas. C'est un problème aussi, c'est que l'an dernier, on se basait beaucoup sur notre jeu de course, et pour l'instant, il n'y a rien à la course de notre côté, et ça, c'est un gros, gros problème. Ouais, bah en fait, tu vois, je veux dire, premier match quand même, tu prends le tout premier drive contre les Cowboys, Ouais, mais ça se passait bien. c'était sauf qui peut. Enfin, là, tu me parles d'un drive sur un match, mec, hein. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le match des Cowboys, je le prends pas forcément comme
une bonne illustration de tous nos problèmes. Je pense que c'était un match où on avait complètement perdu le momentum. Oui, il y avait beaucoup de mental qui était impliqué. Enfin, tu vois, on était en train de creuser notre tombe. Et donc, forcément, plus le match avançait, moins ça allait pour nous. Et puis, on a fini par perdre. Attends, c'est sur ce match ou c'est le match d'après qu'on perd Barclay? C'est le match d'après. Je sais. Ouais, le match d'après, je crois. Mais ce que je veux dire, c'est que. Oui, c'est en toute fin de match en plus. Ouais. On le voit bien offensivement qu'il se passe rien. Même si un Matt Breda, il nous fait des petits trucs, mais Isaiah Hodgins, Darius Slayton se démarquent à peine. Darren Waller. Mais même s'il se démarquait, mec, on n'a pas le temps. Est-ce qu'il a le temps de le trouver? Voilà. Non. Et comment il s'appelle? Paris Campbell, c'est juste un plot qui se fait plaquer dans notre backfield. Il est là pour attraper des passes dans le flat. T'abuses un peu hein, quand même, parce qu'il est pas si mauvais que ça. Les mecs se battent un peu, mais on leur demande de faire des tracés de 4 yards, qu'ils font des tracés de 4 yards. Non, mais bien sûr. Mais je veux dire, c'est que Paris Campbell, il ne fait pas beaucoup de yak. Hein. Il y a rien eu pour le moment, parce que en fait, comme ils savent, je veux dire, c'est que comme les défenses savent qu'on n'est pas capable d'aller en profondeur parce qu'on n'a pas le temps de passer, et ben ils surveillent Paris Campbell et ils lui foncent dessus. C'est quand même très frustrant parce qu'on a clairement les joueurs pour. On a parmi les joueurs les plus rapides avec Jalin Hyatt. On l'a vu, il est capable de faire ce genre de truc là. C'est super frustrant parce que on s'attendait à avoir une attaque de feu et on a la pire attaque de la NFL. Quoi. On met 0 points sur le premier match. Si on compte pas la mi-temps contre les Cardinals où on met 31 points en une mi-temps, bah, on était à 0 sur la première mi-temps. 12 contre les 49ers, 3 là. Enfin, c'est ridicule. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est juste ridicule. Non, il y a rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut espérer comment corriger cette situation? Il va falloir changer des choses. On est obligé, tenter, changer. Tu peux pas continuer comme ça. Là, on arrive à un stade où 4 matchs, ok, on a compris, ça marche pas, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. On va mettre des, je sais pas. Il faut régler un minimum ce problème de O-line et faire quelque chose parce que si tu te prends 11 sacs à tous les matchs, tu vas jamais pouvoir faire quoi que ce soit si tu peux pas courir plus. Voilà, tout ce qui faisait notre force l'an dernier, le jeu n'est plus là, il y a plus rien, c'est une dégringolade totale. Je serais très intéressé de savoir ce qu'il est sorti des essais de Justin Pugh. Parce que quand on était à Phoenix, on a fait passer des essais à Justin Pugh. Donc Justin Pugh, pour rappel, c'était un de nos anciens premiers tours qu'on avait drafté en left tackle. Il a très vite été bougé en garde. Et alors, il n'était pas trop mal, Justin Pugh, mais il peut pas être pire que ce qu'on a vu. Il est parti chez les Cardinals. Il a fait quelques saisons. Ça avait l'air de pas passer trop mal. Et puis, il s'est fait les ligaments l'année dernière. Et donc, il est sans équipe. Il a passé des essais avec les Giants. Et les Giants n'ont pas signé. Donc, est-ce que Shane s'est dit, en fait, Justin Pugh, c'est pas mieux que ce qu'on a sur notre... Est-ce que c'est pas mieux que le mieux? Bah, je sais pas, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... oui, je suis d'accord avec toi, il faut faire quelque chose, et à la limite, s'il faut signer Justin Pugh et l'essayer, bah, pourquoi pas? Parce que, en fait... Ou d'autres, il y a peut-être d'autres mecs, hein, je sais pas, il y a peut-être des mecs... Non, mais voilà, il y a peut-être d'autres mecs, en effet, et pourquoi pas... et pourquoi pas aller envoyer un deuxième ou un troisième ou un deuxième et un troisième tour chez quelqu'un pour récupérer un lineman correct. Ouais, mais c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que t'as envie de faire ça maintenant alors que ta saison elle est à 1-3, elle va sûrement très certainement passer à 1-5 dans 2 semaines. Est-ce que vraiment t'as envie de faire ça pour une saison qui est quasi déjà terminée? Non, pas forcément parce que, et en effet, et d'ailleurs si tu regardes l'attitude de Josh Shane pendant l'intersaison, il a décidé de prendre toute la dead money du contrat de Golladay sur cette saison. Il a décidé de ne pas restructurer le contrat de Leo Williams. Et en fait, je pense qu'il s'est dit, la saison 2023, c'est la saison où j'appuierai mon cap parce que je ferai un gros splash à la prochaine free agency. Et en effet, je suis d'accord avec toi, si on se retrouve à un 6, il n'y a aucun intérêt d'aller gaspiller des picks. Parce que les équipes qui achètent à la trade deadline, ce sont des équipes qui ne sont pas loin des playoffs. Oui, c'est ça. Et qui se disent, il me manque un ou deux joueurs pour aller en playoffs. Tandis que les équipes qui vendent, ce sont les équipes qui disent, bon, de toute façon, je n'ai rien à tirer de cette saison, il faut que j'accumule des draft picks pour la saison suivante. Donc, en effet, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt à trop dépenser
de notre capital de draft si ça va mal se passer. Mais si tu te dis, bon, il me manque juste un bon joueur sur ma O-line pour que ça se passe bien, il y a cette option. Le problème, c'est que tu as quand même Andrew Thomas qui est toujours blessé et on ne sait pas pour combien de temps on a perdu Schmitz. Ouais. Ça va faire mal aux fesses à Josh Allen et Daboll ce déplacement à Buffalo dans 2 semaines, qui retournent chez leur ancienne équipe pour se faire botter le cul. Ouais. Bon, ce qui va être Bah, tu sais que moi, ça me fait mal aux fesses. Enfin, ça me fait déjà mal aux fesses d'avoir payé aussi cher mes places J'étais en train pour de avoir penser eu à Jalen ça, Seng mec. contre Je Dallas. me disais ça, je disais putain, le mec il s'est payé des places à 10 000 euros pour aller voir un match où on va prendre 40-0, ça. Non, mais alors, tu sais que après le 40-0 contre les Cowboys, j'étais en train de dire, oh putain, et je pense qu'on va me vanner pendant tout le match parce Bah que mets pas de c'était maillot, hein. 40-0 contre. Vas-y sans maillot, mec, hein. Ah non, j'y vais quand même avec mon maillot, quand même, j'ai. Je Putain, t'es ouf. supporte mon équipe quand ça se passe. Tu vois, c'est ça un vrai fan. Non mais c'est vrai, Non, mais t'as en raison. fait, Le vrai fan mais met je les veux maillots dire. quand on perd, c'est vrai. Voilà, et en fait, le truc, c'est que la semaine dernière, quand les Cowboys sont perdus contre les Cardinals, je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai un bon moyen de leur répondre si jamais on me rapporte le 40-0. Je suis, ouais, bah vous avez perdu contre les Cardinals, Ouais, qu'on puis a là ils battu. viennent de mettre 38 points à je sais pas qui encore, donc bon. Aux Patriots. Et puis, Ouais. bah, on s'est pris une autre branlée contre les Seahawks. Enfin, c'est joyeux. C'était joyeux tout Même ça. les Jets où on avait l'impression que ça allait être jouable, finalement, bon, ils ont quand même une défense qui tient la route et. Bon, Zach Wilson, c'était peut-être. Il a fait un bon match. Ils ont perdu, il a fait un bon match. Est-ce que ça va tenir le coup sur plusieurs matchs? J'en sais rien. Il y a quelques. Voilà, il y a les Jets, les Raiders, les Patriots qui arrivent avant. Voilà, dans les semaines qui arrivent. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Mais on sera déjà à 1-6 peut-être d'ici là. Donc, bon, Ouais, en c'est. fait, quand tu regardes notre programme, j'ai du mal à voir plus de 3 victoires. Ah ouais, moi non plus là. Bah si à ce niveau-là, mec, non, c'est pas, il y aura pas plus de 3 victoires. Si on continue avec ce niveau, avec le niveau qu'on a actuellement. Et surtout les 2 derniers matchs. Si notre saison est catastrophique, les 2 derniers matchs contre les Eagles, mec, ça va être des branlées atomiques, hein. Parce que. Et il y a une question qu'il va falloir qu'on se pose. Enfin, on verra bien justement au cours de saison, mais on sait déjà. Enfin, alors, je rembobine. Qu'est-ce qui va se passer avec Daniel Jones si on termine justement à 3 victoires? Bah, On vu a ce qu'il nous coûte vu, l'an prochain. des images de Brian Daboll qui est en train de discuter avec Jones et qui balance la tablette. Il est dégoûté. D'ailleurs, Brian Daboll a clairement repris le play calling parce qu'il était encore en train de jouer avec la feuille de match, ce qu'il faisait pas forcément sur d'autres matchs. Mais oui, au niveau du contrat, on est bloqué avec Jones l'année prochaine. Mais en fait, moi, je vais commencer à me dire, mais imaginons qu'on soit dans le top 5. Est-ce que tu prends un quarterback et tu le mets en compétition avec Jones? Tu peux, Il y a ça. mais si tu fais ça, tu mets tes tours 2, 3, 4, 5, 6 sur ta O-line. Parce que ça sert à rien de prendre Ah, un bien sûr. quarterback Oui, pour tout à fait. derrière le tuer parce que t'as personne pour le. Ou alors tu t'en fais une saison de transition où il se forme, il reste derrière Jones un an, j'en sais rien. Bon, enfin Voilà, en tout c'est Jones cas, qui se fait tuer pendant un an de plus. Jones fait un de ses pires matchs de sa carrière, clairement, sur ce match-là. Ça définit pas non plus qui il est et ce qu'il fait. On Non, bien sûr. a vu que quand sa O-line arrive à tenir un tout petit peu, il nous fait une deuxième mi-temps, mais complètement incroyable contre les Cardinals, qui sont une équipe qui tient vraiment la route au final. Donc on se disait, oui, mais bon, c'était que les Cardinals. Ouais, bah peut-être, mais en fait, les Cardinals, ils sont pas si dégueux finalement. On les a un peu pris de haut et bon, ça a failli nous coûter cette victoire. Donc en fait, on a fait une mi-temps exceptionnelle en 4 matchs. On a fait une mi-temps au top du top, incroyable, marqué 31 points, encaissé seulement 7. Et le reste, au fond, au fond, au fond du trou. Enfin, moi, je pense qu'actuellement, on est la pire équipe d'NFL. Je vois pas qui est pire que Ouais. nous, là. Très honnêtement, je sais pas qui joue moins bien que nous. Ouais, non, je le vois pas non plus. Je donne pas un Et... seul nom, les Cardinals sont meilleurs, les Patriots qui sont Ouais. nuls sont quand même meilleurs que nous. Les Jets sont quand même meilleurs que nous parce qu'ils ont une défense. Je sais pas, je vois pas. Je vois pas qui est plus nul que nous. C'est terrible, hein, c'est terrible à dire, mais. Non, mais on en revient à ce que tu dis, hein. Tout part de la O-line. De toute façon, les matchs se gagnent et se perdent dans les tranchées. Ouais. Et Jones, c'est terrible. Hein. C'est pas parce qu'on vient de dire que on pourrait drafter un quarterback au premier tour l'année prochaine que on croit plus en Jones. C'est que Jones, c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. C'est parfois il nous fait des matchs de ouf,
Et parfois, il y a un manque de régularité qui est complet. Mais en même temps, est-ce que tu peux mettre toute la faute sur lui quand il y a Non. une OL en si piteux état? Non, non. Enfin, j'ai pas du tout regardé, j'ai pas du tout regardé les comment ils s'appellent, les Bengals. Mais les Bengals ont l'air de galérer aussi. Mais bon, là, Ouais. c'est un problème différent. Burrow est blessé. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas convaincu qu'un Patrick Mahomes s'en sorte très bien derrière notre OL. Non, bah c'est sûr. Et d'ailleurs, les Jets disent la même chose. C'est que même si Rodgers était resté, il s'est tellement fait découper leur QB que ça aurait pas changé grand-chose. D'ailleurs, il se blesse parce qu'il se prend trop de pression et qu'il se fait découper dès le premier drive. Et voilà, il se blesse là-dessus. Donc non, mais c'est sûr, tu peux mettre le. C'est pour ça que à la draft, est-ce qu'aller prendre un QB au premier tour, bah peut-être qu'on va trouver un QB plus complet, meilleur que Jones, ok, mais ça va pas résoudre les problèmes tout de suite. Donc il faut un plan à long terme. Et tout ce qu'on dit, ça veut pas dire que je crois pas en ce que fait Joe Shane. Hein. Je pense qu'il a fait des moves qui étaient intelligents. Signer Okereke, ça nous paraissait tous être un bon move. Okereke, il est pas au niveau pour l'instant. Il a été assez intelligent de pas donner une extension à Xavier McKinney, qui pour l'instant est pas du tout au niveau sur cette saison, donc ça c'était aussi Ouais, ça c'est plutôt bien clair. joué. Oui, il a peut-être drafté un bust avec Evan Neal, mais je pense que s'il n'avait pas drafté, l'équipe qui a drafté juste après nous l'aurait pris, ou enfin, il aurait été pris dans les 2-3 tours qui suivaient, parce qu'il était quand même annoncé dans les top picks de cette draft-là. Donc c'est un mec qui est intelligent, Evan Neal, qui est un bosseur et tout, tu peux pas imaginer qu'un mec va se planter à ce point-là. Donc, il n'y a pas grand-chose de ce que j'ai vu de. Après, si vraiment ça marche pas avec Daniel Jones, on va se dire, ah, il n'aurait pas dû lui donner une extension. Mais Daniel Jones, l'année dernière, je pense qu'il a fait plus de. Alors, je sais pas combien d'interceptions cette année, mais c'est possible qu'il ait plus ou au moins autant d'interceptions en 4 matchs cette année que dans toute la saison dernière. Il n'en a fait que 5 l'an dernier. Il doit être au moins à 5, là, non? Il est à 6. Il est à Quelle 6. catastrophe, putain. Et il est. Attends, j'ai vu la stat tout à l'heure. Il est à égalité avec Garoppolo. Garoppolo, quelle chèvre aussi celui-là. Bon, et ben voilà. Écoute, Bon. au moins, ça a l'avantage de se dire, je n'attends vraiment plus rien des matchs à venir. Et ah oui, alors un truc, je suis quand même assez content, c'est qu'avec le boulot, j'ai pas pu regarder ces matchs-là. Et franchement, je suis presque soulagé de ne pas avoir pu les mater. Tellement c'était terrible. Ouais, moi j'essayais de regarder la première mi-temps discrètement au boulot. Et puis en fait, à la fin de la première mi-temps, je me suis dit, ouais, bon, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, je suis pas efficace et puis j'en tire rien du tout. Mais alors, j'écoute pas mal le podcast de nos amis des New York Jets. Et la semaine dernière, je me faisais la réflexion, on venait de perdre contre les 49ers, mais eux venaient aussi de se prendre. Une belle branlée, et je me disais, au final, des deux équipes new-yorkaises, laquelle est dans la pire situation? Est-ce que c'est les Jets qui ont devait avoir un super QB et en fait n'ont plus rien, ou est-ce que ce sont les Giants? Et en fait, avant ce match contre les Seahawks, je me disais, en fait, je pense que les Giants, on n'est pas trop à plaindre. Maintenant, clairement, ça a changé, je me dis, Ouais. je pense que les Jets sont dans une meilleure situation que Bah, nous, mec, parce en termes que. de mentalité, pour eux, ça doit être très dur. Parce que ils étaient persuadés qu'ils avaient une équipe qui pouvait aller très Ouais. loin. Et je pense ils pensaient déjà au Super Bowl. En fait, ils étaient dans une mentalité de se dire, tout ce qui nous manque de notre équipe, c'est un QB. Bon, en fait, il leur manque plus que ça. Il leur manque des receveurs. Il leur manque une O-line. D'un niveau Super Bowl, parce que voilà, les Bengals ont réussi à s'en sortir avec une O-line vraiment pourrie, mais c'est très 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 compliqué de faire ça. Donc je pense qu'il leur manquait un peu plus, mais c'est vrai que passer d'un. À la limite, quand t'attends rien, tu perds. Bon bah voilà, t'attendais rien de toute façon. Regarde les Cardinals qui perdent des matchs ou pas, je pense qu'ils se disent pas c'est terrible, c'est une désillusion absolue. Non, bah c'est pas le cas. Mais les Jets, oui, c'est. Et en plus, ça leur est arrivé, enfin je sais pas en combien de snaps il a fait, mais peut-être 3 ou 4. Ouais. T'imagines, c'est en 3 jeux. Ta saison, elle est finie. Tu passes de on va gagner le Super Bowl là, saison terminée, il faut que j'attende un an pour qu'il se passe de nouveau quelque chose. Donc je pense qu'en termes de. Pour les supporters, je parle pas au niveau de l'état de la franchise, hein, je parle au niveau supporter, ça doit être plus dur actuellement de supporter les Jets que les Giants. Mais bon, on est les deux pires équipes de la ligue peut-être, donc. En tout cas, les deux pires Ouais. attaques, ça c'est sûr. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va être capable d'évoluer. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on régresse. Donc, Clairement. il va y avoir des moves. Je vois pas Joe Shane et Brian Daboll continuer avec
avec cette O-line sans des moves, pas forcément acquérir quelqu'un, mais essayer de switcher, faire venir d'autres mecs, du practice, j'en sais rien. Faire quelque chose avec cette O-line, essayer de trouver quelque chose, une alchimie, quelque chose. Et c'est clair que si on continue sur ce plan de jeu à ne pas gagner derrière la course et à faire que des passes courtes, on n'arrivera à rien, ça ne marchera jamais. Ouais, non, c'est clair. Je suis tout à fait je voudrais bien qu'on cherche la stat. Tu sais quoi, on va se donner des devoirs pour la fois d'après, mon cher Thiergo. On va regarder quelle est la dernière équipe qui a gagné un match en ayant encaissé 11 sacs dans un match. 11 ou plus. Allez, 10 plus. Ça doit se trouver, cette stat-là. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je veux Tu te prends 10 sacs ou plus et et tu tu gagnes le gagnes match. Ça et tu m'étonnerait gagnes quand qu'on même en le trouve match. beaucoup. Je pense que ça Non, doit être. t'as pas eu d'avoir la masse. Non, ça c'est clair. C'est Amine, clair. enfin, tu vois, Eli Manning s'était pris quand même pas mal de gros taquets contre les 49ers Mais pendant pas le forcément NFC des sacs. Championship. Mais ouais, non, là, c'était. Putain, C'était c'était héroïque ce énorme. match, hein. Ça c'était héroïque pour le coup. Parce qu'il y a des Alors, attends, images de lui. je suis en train de regarder rapidement, là, qui est-ce qui est disponible en tant que offensive line? Alors déjà, s'il est disponible, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ça veut dire que le mec est potentiellement vieux ou nul ou. Ouais, bien entendu, mais bon, C'est je veux dire. tu regardes quoi dans les practice squads? Dans quoi? Dans Là, je les suis en train free de agents? regarder sur. Ouais, dans les free agents. Alors, C'est sûrement des Taylor mecs qu'on va pas Lewan. connaître. Hein. Tu vois, Taylor Lewan, qui était un left tackle de Tennessee. Bon, 31 ans. Chase Roulier, c'est un center, je sais pas qui c'est. Ronnie Hudson, il était assez connu, mais 33 ans. Justin Pugh, 32 ans. 31-32, ça se joue encore. Hein. Regarde, les Eagles, ils Ouais. ont des mecs de 40 ans et ils sont la meilleure O-line de la ligue. Hein, donc, Attends, je me. Il sait pas. Tu te rappelles de Lyle Collins? Tu sais, Ouais, ça, oui. c'était le mec qui devait être au premier tour, qui s'est retrouvé undrafted free agent et qui avait été chez les Cowboys. Il s'est blessé ou quelque chose? Comment ça se fait qu'il soit Ça, toujours? mec, Parce que j'en sais rien. il a 29 ans. Attends, 12 septembre 2023, les Bengals sont libérés Collins. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont libéré? Ah ouais, parce qu'en fait, il est toujours en train de se remettre des ligaments croisés. Ok, c'est pour ça. Là, je suis en train de taper son nom. Ils disent, il y a un article il y a 3 jours sur, je sais pas quel site, Fansided, qui l'envoie justement, qui devrait le récupérer, où est-ce qu'il devrait aller. Bon, enfin, en tout cas, il va falloir que Josh Allen fasse parler sa magie, parce que là, clairement, la O-line qui nous a pondu, au moins, il a eu le mérite de pas faire comme notre ami Gettleman, à dire, bah, nous, enfin, à se foutre de la gueule des journalistes quand ils lui ont posé la question, et exactement ce que tu disais tout à l'heure, s'il a été précautionneux, et il a pas pris tout le monde de haut en disant, bah, évidemment, on a une O-line, t'inquiète, nous, on a confiance, machin, pour derrière faire un caca comme ça, donc. Ouais. Il a ce mérite-là au moins. Bon, en tout cas, il va falloir faire quelque chose. Donc, on va suivre évidemment l'actualité. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va essayer Attends, de. j'ai trouvé Quoi? Jason Peters, 41 ans. Tu sais que ce serait peut-être pas pire en vrai. Hein. Je suis pas sûr Ouais, qu'il a envie de rejouer. À mon avis, le mec, il a raccroché les crampons. je pense aussi. Ah là là Ouais. là là. Bon, bref, C'est catastrophique. mais c'est quand même déprimant. Enfin, on attendait quand même beaucoup mieux de cette équipe. On pensait être enfin sur la pente ascendante et une bonne saison en 10 ans et derrière, patatrac. Bon, la saison n'est pas finie. Patatrac, Il peut se j'aime passer des beaucoup. choses. Il va peut-être avoir une amélioration de cette O-line. Je sais pas. Josh Daboll a dit qu'il ferait pas de move dans les coachs, mais même les équipes spéciales, ça va pas non plus. Il va falloir. Non, ouais. Depuis l'an dernier, je pense que le coach équipe spéciale, là, notre ami McGurry, là, il va. Ah, il va sauter. Il y a Ouais. eu quand même pas mal d'erreurs. Ouais. Ça fait plusieurs matchs, c'était déjà le cas l'année dernière. Ça va pas tenir. Lui, ça va pas tenir. Le coach O-line, Bobby Johnson, là, bon, c'est pareil. Cette O-line, elle est en J'avais pourtant déclin. l'impression que ça se passait bien, Mais et moi puis en aussi, fait. putain, à chaque fois, on a l'impression qu'on allait. Comment ça se fait? On fait des moves, on met des pics, on fait des trucs, et ça se passe jamais bien. Il y a quand même un truc, c'est pas possible. C'est pas comme si on n'avait pas investi dans cette O-line, t'es d'accord? On a quand même mis des. On a été prendre des mecs super hauts. On a pris. Bon, et le seul qui a marché, c'est Andrew Thomas pour l'instant. Je pense qu'il faut faire revenir Gettleman. pour le faire jouer en online. Non, pour qu'il nous drafte des bons O-line. Non, je déconne, j'en sais rien. Putain, je sais pas, mec. Je sais pas. Bref, bon, arrêtons-nous là, parce que c'est la fin de l'heure de midi. Il va falloir que je retourne bosser en plus. Merci Thiergo pour ce podcast de la loose. J'espère qu'on aura des meilleures choses à Avec dire. plaisir. En tout cas, ça fait 2 ans qu'on fait que de dire, enfin, même, je crois, depuis qu'on a commencé ce podcast, à chaque fois on dit la O-line, la O-line, la O-line. Il faudrait qu'on les réécoute et qu'on voit le nombre de fois où on a dit que c'était la faute de la O-line, mais
Ouais. Et on voit bien quand ça se passe quand t'as une bonne O-line, hein. Regarde les Cowboys, regarde les Eagles, bah, derrière tu sais jouer, t'arrives à faire des trucs. Donc Et ouais. voilà. Attends, et d'ailleurs, justement, sur ce petit point par rapport aux Eagles, puisque tu dis, tu râlais l'autre jour, enfin ça devait être. Oh, je sais ce que tu vas dire. Non, tais-toi, tais-toi. Le touche-push des. Alors moi j'aime bien le surnom Brotherly Shove, parce qu'en fait, la ville de Philadelphie, c'est la ville de Brotherly Love, l'amour fraternel. Donc là, c'est le petit pouce fraternel, enfin si on peut appeler ça comme ça. Bon, bref. On a essayé de le faire, nous, les Giants. Ouais. Et comme quoi, c'est pas la formation qui fait alors, le succès. Tu sais qu'on l'avait fait. C'est la ligne deux... offensive. Non, attends. On l'a fait deux. Oui, alors, évidemment, ça joue. On l'a fait deux fois de suite contre les Cardinals, dans le même drive, et les deux sont passés. Là, oui, bah non, si t'as pas d'O-line, c'est sûr. Oui, alors après, on a aussi vu les Cardinals n'avaient pas de D-line, justement. C'est ça. Oui, mais bon. On a aussi vu les Eagles faire des gros false starts de bâtard et personne a sifflé quoi que ce soit. Mais attends, est-ce que c'est toujours ce truc avec la jambe droite du right tackle qui bouge? Parce non, que non, ça, non, 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 là, mec, non, non, alors il y a eu ça, non, non, mais là c'est un garde qui démarre clairement avant. Okay. Et tu vois une photo en fait, personne n'a bougé et lui il est déjà sur un D-line. Et c'est une des actions qui leur fait gagner le match contre les Commanders parce qu'ils font une 4ème et 1 ou un truc dans ce genre-là et ils font leur fameux jeu, de toute façon ils le font tout le temps. Bon voilà, c'est juste que si en plus, alors oui le D-line adverse n'était pas bien aligné, il touche le ballon, je sais pas quoi, bon ok d'accord, mais bon, bref, non mais c'est sûr qu'ils le font bien, il y a pas, moi à la limite c'est pas trop ça qui me gêne, c'est juste que pour moi niveau règles, tu peux pas porter un mec et l'amener là où tu veux, enfin il est censé aller par ses propres moyens, t'as le droit de bloquer mais t'as pas le droit de l'amener là où tu veux, donc il va falloir faire quelque chose. Ça s'appelle un maul. Oui, et puis en plus, alors, qu'est-ce que c'est moche, mec? Non, mais c'est pas une bonne publicité non, pour la NFL. Je trouve pas ça moche, mais. Tu trouves pas ça moche? Non, je trouve pas ça moche. Mais Richard Sherman a soulevé un point qui était intéressant et que j'ai vu après t'avoir envoyé mon tweet. Il disait, mais en fait, en défense, on nous interdit de faire ça. Et là, et ça, par contre, j'ai en effet un problème avec ça. Pour moi, j'ai aucun souci avec des joueurs de football américain qui font une mêlée. Mais il faut que ce soit autorisé des deux côtés pour que ça puisse être contré. Parce que c'est de la viande contre de la viande, quoi. C'est une bataille de puissance. Alors, si on n'aime pas le rugby et qu'on trouve ça moche, oui, pourquoi pas. Mais dans ce cas, en effet, c'est la NFL de légiférer à la prochaine intersaison et de dire on bannit cette action. Mmh. Bah, sinon, ils vont continuer à faire. Les Eagles, ils auront raison, ça marche. Alors, pas de raison de s'arrêter. Bah, il faudrait que tout le monde le fasse. Enfin, tout simplement. C'est-à-dire que les Eagles, ils sont assez intelligents pour le faire. Parce qu'ils ont lu les règles et ils savent qu'ils peuvent le faire, bon bah tant mieux pour eux, et en plus ils ont la capacité de le faire, et ben si t'as une Noël qui est plutôt bonne, fais la même chose toi aussi de ton côté, et puis voilà quoi. Il y en a plein qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, ils ont été beaucoup copiés sur ce jeu, mais il y en a beaucoup qui ont échoué, hein. c'est pas garanti. Et parce que justement il n'y a pas la bonne puissance, enfin il n'y a pas forcément la bonne O-line, c'était, je sais plus, je crois que c'est un Bosa. Non, c'est JJ Watt qui a dit sur Twitter, lui il a dit, moi très franchement ça me dérange pas ce truc là, et d'ailleurs vous pouvez enlever ça aux Eagles, ils arriveront quand même à les trucs courts parce qu'ils ont une O-line qui défonce tout, et je suis assez d'accord avec lui. Mmh. Non, mais c'est sûr, bah, ça facilite la vie, hein, de toute façon c'est clair. On en revient voilà. Toujours au même point, mais à part à mettre toute ta draft sur ta O-line, je vois pas comment tu peux faire pour, bon je sais pas, il va falloir que Josh Allen fasse parler sa magie. On va s'arrêter là, merci à tous de nous avoir suivis pour la pire O-line de la Ligue podcast numéro 93, et on vous dit à la semaine prochaine pour parler de la tôle qu'on va prendre face aux Dolphins. À plus tout le monde, salut. Salut.